Tranquille. Toujours. Non, moi, un lait qui n'a pas de bouchon là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde ici. Il y a des laits qui ne sont pas scotchés là. Voilà au bout. On va se causer aujourd'hui, tranquille. On va parler tout doucement. Dans la paix du Seigneur. Commencez à partager le direct. Oh là 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 là. Laissez-moi hydrater mes mains. Hydrate ça très bien. Laissez-moi me tuer en direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'adore le tcha. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est clair? Le Johnson? Le Johnson a pris il y a longtemps. C'est partout? Tout est parfait. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Ah, aujourd'hui, là, c'est fort. La vie est à choix. La vie est à choix. Est-ce que mes djadjas sont présents? Est-ce que les lolo boss sont dans la place? Est-ce que mes lolo boss sont dans la salle? J'ai dit, hein, vous les femmes qui me demandez comment on pommade les doigts là. Je vais vous montrer en direct avant de commencer mon direct. Oh, tranquille. Regardez, tu prends le lait métis. Il y a un genre que tu te donnes. Tu prends, tu sais, quand ta pommade a coûté cher, ne te presse pas pour te pommader. Quand ta pommade ne coûte pas 2 à 5 francs. Et que ta pommade coûte 300 euros, ta pommade coûte 250 euros, ta pommade coûte 500 euros. Ma chérie, ne te presse jamais pour te pommader. Prends le temps, savoure le jeton que tu as mis dans ta pommade de Lolo Beauté. Et puis regarde comment on fait, il y a un genre que tu te donnes. Tu es là tout doucement, comme dans les publicités. Maman, ça verse, tout doucement, on ne se presse pas. Tu fais ça. Savoure les euros et les CFA que tu as mis dedans. En tout cas... Ensuite, commence par là. Là, tu commences par là, là, tu frottes bien, en tout cas, tu frottes tu bien, remis moi ça. Tu remis ça, remis après maintenant ça. Tu refrottes encore ta paume, et puis tu es là, tu frottes tes doigts, comme si tu attends des millions, ma chérie, il y a des gens de pommade, quand tu te pommades, fais comme si l'argent va rentrer dans ta main, tu es, dans la tu es là, tu pommades, tu es là maintenant, et puis tu es là maintenant, les quintos maintenant, tu fais ça, les quintos maintenant, tu fais ça. Réarrête un peu. Après, tu prends encore ce deuxième cocota. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu savoures. Chaque goutte de ta pommade doit te coûter le genre de mettre ça sur la peau. Amen. Maintenant, il y a une manière de pommader ses seins. Il y a des femmes qui ont pommade les seins. André, vont arracher les seins. Maman, tu as des gens de seins comme Lolo Beauté. Lolo tu ne ça. Te presses pas, maman. Tu fais ça. Aïe. Aïe. Doucement. Tout doucement. Voilà, tranquille. Les lolo voilà les ça. Doigts de Lolo Beauté. Prap. Tranquillement, tranquille. Voilà les doigts de Lolo Beauté. Prap. Tranquillement, tranquille. Voilà ma chérie, regarde bien. Bien et fais capture d'écran. Capture. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, maman. Tu dis que quoi? Il n'y a pas de syndicat de tcha à part Lolo Beauté. Tu es la meilleure. J'ai dit, hein, prenez bic et feuille. Il n'y a pas de syndicat de tcha. Ma chérie. Si mes pommades ont touché ta peau, tu rentres dans une révélation prophétique. Amen. J'ai dit, tout ce qui était inachevé s'achève. Tout ce qui était blocage spirituel se débloque. C'est les gens de pommade qui concurrencent les huiles d'ancien. C'est les gens de pommade, quand tu mets sur ta peau, on sent qu'il y a quelqu'un qui passe. Hey. Tu n'as pas besoin de filtre, ma chérie. En tout cas. Mais toi-même, tu djas. J'ai dit, tu djas. Est-ce que j'ai bien fait? Tu djas. On appelle ça le thé. Tu peux flinguer à distance. En tout cas, le thé parle en langue. Le thé parle l'anglais, mais l'anglais soutenu. Le thé parle, mais le français soutenu. Le thé parle, mais on n'a pas besoin de trop parler, en ma chérie. Le thé parle le français je soutenu. Sais qu'actuellement, tu me regardes. Tu me dis, tu te poses la question, mais comment elle fait, Pierre Dja? Ma chérie, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Dans ma chérie, réa, 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 il n'y a pas jalousie d'affaire de thé. Réa, 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 il n'y a pas jalousie. Faut bien ma chérie, nous, on a choisi de naître noir, de vieillir clair et de mourir transparent. En tout cas, c'est notre choix. C'est votre choix. Est-ce que c'est ta peau? En tout cas, non, c'est la, notre peau. On fait de ça ce qu'on veut. Problème est c'est de ça qu'il s'agit.
Malgré mon tchatcholi, depuis plus de 20 ans, je réussis à faire des césariennes. Aïe. Je réussis à faire des chirurgies. De ma chérie, puis je cicatrise bien, tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, le teint de ça. Le teint pas. Annick, à ta pleure même. J'ai dit, je vous claque le bisou. Les fonds de ton teint. J'ai dit, même dans grossesse, on me fait chirurgie. Yeah. Et puis le teint en bois. Aïe. Même les médecins ici en France me demandent, ma madame, comment vous faites? Comment vous Parce faites? Que vous avez une très belle peau. Lolo, depuis quand blanc demande à noir, comment tu fais, maman? Même le gynécologue, quand j'ouvre mon nurpri, puis il regarde dedans, maman. Le pétou club de ça. Hmm. J'ai dit, maman, le pétou club même résonne. Le chat a pris. Yeah. J'avais nous confiné le chat. Pause publicitaire oui. avant de commencer. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, il faut apprendre à te laver. Hein, parce que le produit de Lolo Beauté, si tu n'aimes pas te laver, ce n'est pas la peine. Ça ne peut pas prendre. J'ai dit le produit, le Johnson, maman, partagez-moi le direct. Hmm. Parce que ce matin, je vais partager les gammes de produits. Attendez, bien placé. À outrance, même. À outrance. Aïe! Je t'ai dit, hein, où vous voyez? Trésor de ça. Je vais partager, maman, les gammes si de Lolo Beauté gratuitement à toutes les personnes qui partagent dans plus de 10 groupes. Tu fais la capture de quand tu m'envoies, tu as une gamme de produits gratuitement par Lolo Beauté. Donc, pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, le teint qui pique quand même les jaloux, tu contactes Lolo Beauté au 00337 au 69 au 84 au 12 et au 27 oh, au 00225 au 47 au 46 au 44 au 79 pour avoir le Johnson de Lolo Beauté. Oh maman, le Johnson qui est recherché par tout le monde entier. Oh oui, Dieu du ciel, pourquoi avoir créé Lolo Beauté, la déesse, le Zeus des produits cosmétiques? C'est parce que le Seigneur savait que parmi les adeptes du diable, il y avait beaucoup de femmes qui sont passées à l'enfer et qui ont brûlé leur peau. Le Seigneur savait qu'il y avait les adeptes de l'enfer qui avaient brûlé leur peau, avaient le thé inachevé. Donc il a créé Lolo Beauté. Il a dit, je vais faire venir un ange sur la terre. Et cet ange s'appellera Lolo Beauté. Au début, elle viendra avec un air superficiel, avec le crayon sur le front, pour essayer de choquer et pour captiver l'attention. Mais arrivé un moment, quand l'ange a déployé ses ailes, bim, bim, la beauté est sortie. Hey, j'ai dit, maman, bim, les seins sont sortis. La beauté est sortie. Laisse mes seins, maman. Je suis trop jalouse. J'ai dit, bim, la beauté est sortie. J'ai dit, tu peux pas être en Europe, même en Afrique, et puis tu as un teint inachevé. J'ai vu beaucoup de femmes me critiquer, beaucoup de femmes attaquer mes enfants. Mais malheureusement pour ces femmes-là, elles ont voulu concurrencer Lolo Beauté dans la dame chicane des produits cosmétiques. Mais on était étonnés de voir que on peut vendre produits cosmétiques et puis avoir kento comme ça. Une sale comme ça. Et puis on peut vendre produits cosmétiques et puis on est bizarre comme ça. J'en ai vu aussi les femmes concurrencer Lolo Beauté. Ma chérie, moi dans ma grossesse, mes vidéos sont là. Je n'avais pas de masse de grossesse. Mais j'en ai vu des femmes concurrencer Lolo Beauté. Grossesse t'as pris, tu passes au rouge. Ma chérie, lorsqu'on dit qu'on vend des bons produits, même quand tu es enceinte, tu démontres ta force de frappe. Mais pourquoi votre force de frappe est aussi limitée? Mais pourquoi votre force de frappe est aussi abracadabra? Ma chérie, viens prendre les produits de Lolo Beauté. Achève ton teint. Maintenant, va blaguer les autres pour dire que toi, tu as fait sortir ta gamme de produits. Sur la preuve du contraire, là, c'est pour Lolo Beauté qui tient. Je dis, hein, jusqu'à preuve du contraire, là, c'est le produit de Lolo Beauté qui tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. C'est confirmé. J'ai dit, partagez-moi le direct. Est-ce que le direct... J'ai dit, hein, ne cherche pas deux numéros. Sur la toile ici, là, celle qui a confirmé son tchatcholi. En tout cas. Parce que oui, je suis née noire. En tout cas. Je grandis, je suis claire. Quand je vais mourir, là, je serai transparente. Ah, c'est mon ça. Choix de vie. C'est ton choix. Ma chérie, quand je paye ma pommade pour mettre sur ma peau, là, c'est sur tes testicules que je frotte. C'est sur ton Donc, ma pommade a quoi avoir avec toi. Maintenant, ma pommade ne sont pas vendues pour les pauvres. En tout cas, pas c'est pour vendu les pour les femmes qui ont un peu d'argent. Oh, le Mais asseyez-vous, parce que ce matin, nous ne sommes pas venus parler de pommade. La Daichi quand des produits cosmétiques à deux mois dit je vous dis hein, quand le Seigneur fait ton palabre tu n'as plus besoin d'enlever ton caleçon pour montrer tes poils. Vérité. Le Seigneur est en train de travailler mais le Seigneur est en train de dévoiler des gens. Mais il faut que les dit ce matin là
Si je ne vois pas le nombre de partages, je ne parlerai pas. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes accro à mes vidéos, mais vous ne voulez pas partager. Vous allez partager en bris avec que j'ouvre la grosse gueule de Lolo Boté. Il y a dit où sont les Lolo Boss? Je ne vois pas les Lolo Boss. Il y a dit vous êtes en train de dormir, ou même vous les femmes, vous êtes jalouses de moi. Parce que tu peux être de la Lolo Boss, mais quand tu as vu Lolo Boté, t'es comme bim. Tu commences à trembler, tu trembles de quoi? Les partages sont où? J'ai dit, je veux voir les partages. J'ai dit, hein. Je vais voir les partages. On doit atteindre 3000 en tout cas, nous, la famille Makoso, là, il y a Dieu dans notre affaire. Il y a Dieu dedans. Il a dit, hein, il y a Dieu dans notre affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et on vieillit bien. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Allons-y. Alors, boss, réveillez-vous. On doit vous sentir tranquille. Ce matin. On doit vous sentir ce matin. Je t'aime bien. Mais ma chérie, si tu es hypocrite, rentre-toi sur le côté parce que je peux te bloquer sur ma page. Parce que sur ma page, j'ai dit ce que je veux. Si tu es là à dire la famille Kosere Yako, ma chérie, mais va marier un des cousins de comment on appelle ça, de Tatiana Kosere. Tu fais un mauvais commentaire, je te bloque de ma page. J'ose croire que sur l'autre page, je t'ai bloqué. Ici, je peux te bloquer. Je n'aime pas les hypocrites. Tu peux aller me critiquer sur l'autre page, mais ici, là, je peux rire toi et puis te dire ton vrai nom. Je dis ce que je pense. Si tu n'es pas d'accord, range-toi sur le côté. Parce que toi, Josima et moi, on n'est pas de la même famille. Alors, même amitié, il n'y en a pas entre nous. Donc, attention. Je suis très directe quand il s'agit de ma famille. Si tu n'as rien à dire, tu la fermes et tu ranges tout le côté. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'aime pas les papatos. Voilà. Tu es trop papato. Tranquille. On y va. Je bloque très rapidement. Tu riras, généreuse. Parce qu'il y a un temps pour les Lolo Boss. Les vrais, commencez à partager le direct. Il y a les vrais Lolo Boss. On est puis on meurt. Un temps pour rire et pour pleurer. Et je n'aime pas les hypocrites, c'est des lâches. Anasi Kakou commence à partager. Je vais voir les partages. Est-ce que les partages sont en train de se faire? Et la forme maintenant. Jusqu'au là, parce qu'il y a un temps pour tout.
les meilleurs. Non, est-ce que les Lolo Boss sont là? Ils ont commencé à se réveiller. J'ai dit, les Lolo Boss, est-ce que vous êtes réveillés? Ils ont commencé à se réveiller. J'ai dit, hein, aimez-moi parce que je suis dans la vérité. En tout cas, tu es dans la vérité. J'ai dit, sur la toile, là, personne ne peut contredire Lolo Beauté. Personne. Je ne suis pas le genre de blogueur qui se donne un genre de ce genre, du genre que nous voyons, puis après, on les attrape. Et puis après, se contredire. J'ai dit, hein, moi, je ne peux jamais me contredire. Jamais. Je suis dans une logique, mais propre à elle-même. Les Guinéens, je vous claque les bisous. Bisous. Non, Jenny Bou, elle dit j'adore ta perruque. Oui, c'est une perruque qui m'a coûté 500 euros. En tout cas. Donc je l'aime bien tranquillement, tranquille. C'est mon handicapé, donc je mets ça bien. Tranquillement, tranquille. Mm-hmm. Oui, merci Carole Conan. Voilà, Lolo Beauté, tu es toute belle. Mais la vie, c'est ça, hein. C'est pas le fait de faire les enfants et puis se négliger. Quand tu finis de faire les enfants et puis tu as un peu de moins, tu prends soin de toi. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu te crées un petit style non méchant de ce genre. Et puis ça. Tu es tranquille dans ta live. Actuellement, je jah, ma chérie. Je jah dans mon petit jassoli là. Je jah. Tranquille. Vous savez. Lolo Beauté, mm-hmm. Moi j'aime à faire. J'aime à faire d'être. Il a dit, venez vous asseoir ici. Est-ce que les commentaires sont j'ai dit, elle dit, et Aléa qui dit, tu es la meilleure blogueuse. Je ne vais pas être la première blogueuse ni la dernière blogueuse. Mais je vais véhiculer un message et puis je passe. Parce qu'on dit que moi je parle fort. Et je parlerai toujours fort. Josima, tu es allé où? Faut t'asseoir là. Parce que je sais que tu me regardes mais tu ne commentes pas. Faut commenter. Il a dit, faut t'asseoir là et puis tu vas commenter. Fais partie de la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Moi j'ai dit, mais bé, et puis je passe à autre chose. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où ils étaient en train d'attaquer mon frère, où on lui disait que c'est lui qui a tué sa femme, toi tu étais où pour venir dire mais laissez la famille Makosso. Au moment où il y a affaire qui est en train de brûler dans la famille Kosséré, moi de laisser, les gens ne sont pas informés. Je vais les donner les informations. Parce que c'est la famille Kosséré qui a envoyé affaire de mort là sur les réseaux sociaux. Tranquillement, tranquille. Donc tu viens me parler de quoi? Il y a quoi la famille Kosséré, partout que tu sois, qui t'a envoyé? C'est ta famille? Les Makosso sont ta famille, non, ferme ta gueule. Les Kosséré sont ta famille, non, ferme ta boîte de sardines. Et puis passe à autre chose. C'est pas parce que tu as mis un mot sur mon Facebook qu'il y a bonjour, bonsoir. Parce que moi sur mon Facebook, je n'aime pas causer les gens, c'est pour éviter ça. Parce que quand tu donnes un peu de l'importance à des gens qui ne te connaissent pas, ils pensent que vous êtes amis. Hé, je n'ai pas amis sur Facebook. En tout cas, regarde-moi bien. Mon ami, c'est mon compte en banque. En tout cas, mon ami, c'est mon travail. Mon ami, c'est mes parents. Mon ami, c'est mes enfants. Mm-hmm. Facebook a fait de bonjour, bonsoir. On pense qu'on est familier là. C'est pas parce que j'ai pas dit ton nom une fois, deux fois dans mon direct qu'il va dire que lui, je connais Lolo. Hé, hey, attention. Attention, ben. Attention. Attention. Moi, quand il s'agit de ma famille, je les défends bien. Maintenant, toi, si tu n'as pas de poil en bas de toi, qu'on est en train d'attaquer ta famille, tais-toi. Je suis une guerrière. Je vous ai dit en décembre, j'allais casser Facebook. Lorsque ma belle-mère est décédée, j'ai cassé Facebook. Parce que vous êtes des hypocrites. Si c'était mon frère qui était décédé, toi, Josima, tu allais aller commenter sur les pages là pour dire c'est suspect, c'est suspect. Bon, pourquoi maintenant, quand c'est de l'autre côté de la rivière, quand il y a un malheur, pourquoi nous on va se taire? Pourquoi on va se taire? Le général a dit à 5 personnes qui vont mourir. Mes amis, la vieille a déjà. Oui. Il y a un autre encore qui vient de déjà. Qui vient de Douf. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne veux pas qu'on parle pourquoi? Je vais parler. Et je parlerai. Volume, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, Lolo Beauté, mon volume, il est fort. Volume est fort moi, Lolo Beauté, mon volume est beaucoup ton fort. Volume va très je loin. Sais que tu es en train de me regarder. Ne va pas m'écrire en inbox. Parce que tu m'écris sur mon Facebook, je te bloque encore. Parce que tu as démontré de quel genre de fille hypocrite que tu es. Tranquillement, tranquillement, moi que je suis là, là. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas demandé conseil à quelqu'un pour venir sur les réseaux sociaux. J'ai demandé conseil au général Camille Makosso et puis je suis venu sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous qui êtes sur Facebook là, quand il y a affinité un peu, bonjour, bonsoir, on se cause un peu là, ah non, on est devenu camarade. Je ne suis pas ta camarade. Et je n'en veux même pas en faire partie. On est camarade de personne. Je suis camarade de personne. Même les milliardaires, je ne veux pas être camarade de eux. Je vais avoir des relations et puis passer à autre chose. Tranquillement, tranquille. Non, tu dis, je te bloque sur ma page et puis tu vas à autre chose. Tu m'apportes combien?
Moi, les seules personnes où j'ai intérêt, c'est ceux qui m'apportent de l'argent. En tout cas, tu ne m'apportes rien, allez, range-toi sur le côté. Les donneuses de lotion, là. Les du Facebook, là, chacun peut mettre sa caméra et puis parler. Si vous ne pouvez pas mettre votre caméra et puis parler, là, c'est que vous êtes des maillons faibles. C'est nous qui aimons fort, là. On met notre caméra et puis on vient, on parle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont accusés depuis combien de temps, mon frère, d'avoir tué sa femme. Même mon frère a enterré sa femme. Il y a un côté maternel. Je vais vous montrer un peu sa vidéo. Regardez un peu sa tête d'abord. Il a dit, hein, cette affaire de mort de Tatiana, là, il y a beaucoup qui vont mourir. Ils vont déjà. Il a dit, hein, même vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous dites, vous mettez vos bouches d'affaires qui ne vous regardent pas. Tatiana va s'occuper. Il a dit, chacun va purger sa peine. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, si tu meurs, parce que soyons logiques, précis et intelligents sur la toile. Mais là, le boss, je vois vos commentaires. Si ce que je suis en train de dire là, si ce n'est pas la vérité là, dites-moi que ce n'est pas la vérité. Un matin, tu te réveilles, tu apprends que la femme de ton frère est décédée. Du beau jour, les tantes, côté maternel, viennent sur les réseaux sociaux et puis disent que c'est Camille, c'est ton frère qui l'a tué. Quand j'allume ma caméra, Makoso aussi. Makoso, vous les Makoso, vous êtes les assassins. Makoso. Vous les Makoso, vous êtes les assassins. Vous les Makoso, vous avez tué. Vous faits. Tuez les gens pour vous enrichir. Vous m'avez vu parler? Non. Yannick, vous m'avez vu parler? Mais pourquoi quand il y a problème de l'autre côté, on parle pas? Hein? Rosie, c'est pas la vérité? Toi-même, Josimar, papato numéro 1 de Lolo Bosso. Mais toi, tu fais plus partie de Lolo Bosso. Papato de ton état, tu as abonné à toutes les pages. Lorsqu'on était en train d'attaquer la famille Makoso, tu étais où? En fait, sur Facebook, là, les gens aiment attaquer. Et puis, quand il y a la vérité, pour fermer la honte, là, vous vous désabonnez. Non, faut pas parler de ça. Non, le Seigneur est en train de faire votre travail. Faut pas parler. Hey, le Seigneur est en train de faire travail, là. Facebook est dirigé aussi par le Seigneur. Cas, il faut qu'on vienne témoigner ses bienfaits. En tout cas, le travail... C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère a perdu sa femme. Partagez-moi le direct. On dit tellement que je suis contente. Les gens qui disent que Lolo Beauté se réjouit de mort, là, oui. Je ris de mort des gens. Parce qu'il y a des sorciers, là. Quand Dieu est en train de les dévoiler, là, il faut avoir pitié d'eux. Tu vas prendre la poisse et la malédiction de tous les morts qu'ils ont tués sur ta vie. Quand Dieu est en train de faire un balayage, il faut rire, puis il faut rendre gloire à Dieu. Faire des dons et des offrandes. Et non, venez dire, j'ai pitié. On peut avoir pitié d'un sorcier. On peut avoir pitié d'un sorcier. Lorsque vous étiez abonné à des chaînes, un barbe blanche, oui, jusqu'en mort palais, vous étiez où? J'ai dit, hein, moi, mon affaire finit pas. Hein. Regardez, je suis une combattante hors pair. Terminator 6. Vous appelez moi Terminator 6. Mon frère, sa femme est décédée, vous l'avez accusée de sorcellerie. Si mon frère était mort à 2 jours de l'enterrement de ma belle-sœur, qu'est-ce que les gens allaient dire sur Facebook? Le cataclysme de ça. C'est le général qui a tué sa femme. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort. Ils allaient dire ça. Les rats, là, les animaux. Là. J'ai dit, vous allez dire ça. Maintenant, sa maman meurt. Qu'est-ce qu'on vient m'annoncer? Elle est morte de chagrin, maman. Chagrin. Quel chagrin qui peut tuer une mère plusieurs mois après la mort de sa fille? N'importe quoi. Après, on finit de l'intérêt. Et c'est là que tu es chagrin. Là, ça tue à 1 mois, à 2 mois, tout au plus à 3 mois. Un an, à presque 1 an. Donc, ne venez pas me raconter des sardines ici pour vous dire que oui. Et vous pensez que c'est parce que les blogueurs, les animaux se sont levés pour dire, toi, Lolo Beauté, tu te réjouis de là. Et oui. On vous a mis pire. Réjouissance même est petit. Il y a même bâche. Et puis, inviter les gens pour venir manger et rire. Inviter les artistes. Vous n'avez rien compris encore. N'importe quoi. N'importe quoi. C'était autour de mon frère. Lorsque vous étiez en train de le briser. Ma belle-sœur décède. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelques jours après, sa maman décède. Qu'est-ce qu'on me dit? Elle est morte de chagrin. Elle n'a pas pu supporter. Elle n'a pas pu faire ceci. Elle n'a pas pu faire cela. Regardez-moi ces clowns-là qui sont sur les réseaux sociaux. Les moi, Lolo Beauté, je n'ai pas sentiment sur Facebook. Je dis mes vérités. C'est-à-dire, ce que les gens pensent bas là,
Moi, je viens et puis je dis ça haut. Oh. Parce que beaucoup de personnes ont pensé la même chose que moi. Que cette vieille, elle est morte parce que sa fille est venue la chercher. Mais j'ai eu peur de parler. Mais moi, je parlerai. Parce qu'au moment où vous étiez en train d'attaquer mon frère, j'étais, j'ai fermé ma gueule. Et puis, je vous trouve la vieille est suspecte. Et les suspects sont en train de mourir. Mon frère finit d'enterrer sa belle. Ce que vous ne savez pas, il y a affairage. Oui, oui. Cette affaire de mort, là, c'est pas Odion qui était dans ça. Hein. Tant que Corona ne finit pas, on est dedans. Je dis, cette affaire de mort de Tatiana, là, tant que Corona n'a pas trouvé le remède du Corona, ce chapitre sera toujours ouvert sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle en a pris deux, il reste trois. Le général a parlé. Qu'il y a cinq personnes qui ont parti. Vous vous rappelez qu'on enterrait ma belle-sœur? Oui, on se rappelle très bien même. En décembre, oui. En pleine fête. Après l'avoir enterrée. Après l'avoir enterrée. Quelques jours après, sa mère douf, rip, et que ton âme repose en paix. Si c'est vraiment, ça doit se reposer en paix. Je suis venue, j'ai parlé. Maman, j'ai dansé. Fort. Parce que quand Dieu est en train de clouer tes ennemis, danse. J'ai dansé. Dites que Lolo Beauté n'a pas de sentiments. Hé, sur la toile là, je m'emballe mais les rondelles de tous les animaux blogueurs sur Facebook. Merci là-bas. La vieille a douf. Je suis venu vous dire ici que ça ne sera pas la vieille seule qui va partir. Il y a encore des gens qui vont partir. Le général avait déjà dit ça. Regardez un peu cette interview. Regardez. Le 6 janvier de ce mois-là. De ce mois-là, hein. Côté maternel, c'est-à-dire le neveu direct. De la maman de Tatiana, le porte-parole, le responsable direct de la famille de Tatiana, il a fait une interview où il a accusé encore le général d'avoir. C'est-à-dire, malgré l'autopsie, hein, qui révèle que le général n'a pas tué sa femme. C'est-à-dire, tellement que la honte a pris cette famille-là, quand les gens ne sont pas venus au funérail. L'oncle, vous savez, dans les films nigériens, là, souvent, là, l'oncle. C'est les oncles-là même là qui sont très dangereux. L'oncle. Ouais, on met un rip. Regardez ma gueule. Il rip. L'oncle. Rip. Rip. Il bodakourou. Il bien, qui sait. J'ai dit, hein, mon frère finit d'enterrer sa femme. On dit à la guerre comme à la guerre. Dans la paix du Seigneur. Quand vous êtes une famille, puis vous savez que les familles Makosola, c'est les gens de famille, ne vous attaquez pas à elles. Parce que les gens de famille de Makosola, nous là, c'est-à-dire les anges même de l'Éternel, c'est nous, on a pris toute bénédiction de la Côte d'Ivoire. Remarquez bien. On est les plus détestés par les animaux, mais on est les plus adulés. Il y a Dieu dans notre affaire. Regardez bien. Observez. Regardez mon analyse. Et puis dites-moi si j'ai fumé de la drogue. Combien j'ai fumé du Julien. Maman, mes seins débordent. Mes seins me font mal. Mes seins sont lourdes, ma soeur. Donne-moi un peu. Mes seins me font mal. J'ai commencé aussi ma pommade aussi. Voilà, tranquille. Toujours. J'ai dit, comment se fait-il que une fille décède. Nous tous on pleure et on pleurera. Mais on a pleuré. J'ai dit, mais Lolo Boss, c'est votre commentaire que je veux voir. Les commentaires. Parce que moi, les autres, là, je m'en bats les rondelles. Et je vais vous montrer les preuves aujourd'hui. Mettez nous, les Makoso, oh yeah. Je vais voir les Makoso, Les Lolo Boss. Mon frère perd sa femme en pleine crise de coronavirus. Où tout est fermé. On vient sur la toile. Chargé de maman à l'ancien. Depuis les Canada. Depuis quoi même Londres. Tu te lèves, tu viens faire un communiqué. Qui a commencé le communiqué? Parce que vous sur les réseaux sociaux, vous êtes des hypocrites. Voilà pourquoi je vous traite des animaux. Je vous traite des animaux parce que quand vous voyez la vérité, vous essayez de défier, de quitter un peu la vérité. Pourquoi vous les blogueurs, vous allez lâcher l'affaire? Je crois que vous étiez en pime, non? Pendant quand c'était chaud, après vous avez lâché l'affaire. J'ai dit en plein cri de corona, ma soeur, ma belle soeur décède. La belle famille. Non, je vais en parler. Parce que sur Facebook, il n'y a pas de sujet. On est fatigué des clashs. Ça, c'est un clash aussi. Mon cher, vous êtes sur Facebook là, vous aimez les clashs, aimez les papatos. Voilà pourquoi quand on parle à faire, pourquoi vous ne vous déconnectez pas? Vous voulez forcément savoir de quoi il s'agit. Donc nous tous, on est des papatos. Nous sommes tous des maudias. Et moi, on est président de tous les maudias aussi. Donc on est ensemble. Moi, je ne me cache pas, je dis la vérité, ce que je suis. Tranquille. Donc,
Mon frère, bisous à toi, Yasmine. Mon frère perd sa femme. La belle famille se lève côté maternel. Disent que oui, général frappait sa femme. Il étranglait sa femme. On peut faire c'est-à-dire, ça. C'est-à-dire, vous là. Vous êtes, c'est-à-dire, vous là. Je vais, comment on appelle ça? Je vais vous. C'est-à-dire, vous là, c'est vous, on doit vous condamner. Josima, c'est parce que tu as honte que tu es revenu. Non, mais tu as déjà donné ton nom et puis c'est déjà fini. Donc, vous vous levez, vous accusez le général d'avoir battu votre femme, votre soeur, votre fille, depuis des années et des années. Vous étiez où pour porter plainte contre lui? Montrez-nous une preuve. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne peux pas donner mon enfant à quelqu'un. Et je sais qu'ils sont en train de maltraiter mon enfant et puis je les soutiens. Montrez-nous une preuve d'une convocation faite à l'endroit de Makoso vis-à-vis de vos filles. Il n'y en avait pas. Quand vos filles étaient en train de voyager, faire le tour du monde, que vous, les cousines, les racoleuses, parce que vous connaissez un peu, c'est un bété, c'est les quémandeurs, maman, quémandeurs les habits de la fille. Là, vous n'étiez pas en train de parler. Sa soeur, même ici en France, elle a abandonné les enfants, elle-même ses propres enfants, elle a laissé ça à la charge de Makoso. Elle était où pour parler? Personne n'a parlé. Quelqu'un qui frappe votre fille, vous pouvez lui confier votre nièce, votre neveu, chez lui à la maison, et puis il va vous accepter. Quelqu'un qui a bien envie de tuer sa femme là, il n'accepte pas les neveux, les nièces de cette femme. Il chasse tous les parents. Là, il peut parfaire son crime sans qu'il y ait témoin oculaire. Les moutons, regardez-moi, j'ai deux mots à vous dire. Vous êtes famille de malheur là. Tranquille. Le général perd sa femme. En ce moment donné, c'est là la famille sort. Pour dire, il frappait notre fille, il faisait, c'est-à-dire, vous, on doit vous mettre en prison. Mais votre prison, là, ça sera vos morts. Parce que ça a commencé, ça fait déjà deux, hein. Il reste encore trois. Vous qui parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, là, vous allez prendre des malédictions comme ça. Regardez bien leur vie, hein. Ça va pas devant, ça va pas derrière. Nous, la vie des Makoso, là, ça va toujours devant. Vous étiez où pour venir prendre la défense du général? Personne n'est venu à part Poutou. Quand on l'accusait. Le monsieur subit. Même Debordo Likumfa s'est levé pour attaquer le général. Mais après, Debordo a réfléchi, il a dit, ah, la malédiction qu'il y a dans ça là, c'est trop grand. Attends, moi j'ai quitté dedans. Il est quitté, soit, c'est-à-dire, malédiction, mais qu'il devait venir sur Debordo, il a regardé, mon cher, il faut faire sortir une musique. Il a regardé, moi je t'aime bien, je suis de la Debordo gang. Il a regardé, comme lui au moins, il est intelligent. Et que c'est un enfant béni. Parce que quand tu es un enfant béni, tu peux tomber dans la boue. Mais après, il faut reconnaître ton erreur. Il est tombé dans la boue, Debordo Likumfa. Il a dit, il ne faut pas voir les gens qui le suivaient. Lui, il a tué sa femme. Quand Debordo est venu demander pardon, les gens suivent la page de Debordo. Parce que vous, les Ivoiriens, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire, où on veut tuer quelqu'un là, vous vous assemblez. Vous êtes des sorciers. Parce qu'ils ont voulu tuer le général, vous êtes assemblés contre lui. Toutes les personnes contre la famille Makoso seules. Tellement que Dieu est de notre affaire, il a fait notre parable. Il a fait le travail. On finit d'enterrer notre belle-sœur. Regardez comment Dieu agit. Ne regardez pas trop mes seins, même si c'est trop gros. Donne-moi un peu. La belle-mère décède. Papy, hasard. On n'a pas eu de communiqué dessus. Bizarre. Vous, la famille maternelle qui aimait faire tant de communiqués. La vieille douf, il n'y a pas de communiqué. Ça, c'est déjà un. On laisse passer. Il a fallu, nous, la famille Makoso, pour venir en parler. Et je vois des hypocrites. Lolo Beauté, il faut laisser la famille Kosseré. Et la famille Kosseré, Tatiana porte le nom de son père. Et nous, avec la famille Kosseré, il n'y a aucun problème. Parce que la famille Kosseré était au funérail de Tatiana. Les Kosseré que vous aboyez sur la toile, ils étaient au funérail. On n'a aucun problème avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. On finit d'enterrer Tatiana. La vieille Dja. Coïncidence. Elle a eu du chagrin. Depuis quand noir a chagrin? Les chagrins, c'est pour les blancs. Le noir n'a pas de chagrin. Celui qui a dit, faut dire, c'est Lolo Beauté. Parce que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, nous sommes que des vampires. Noir n'a pas de chagrin. Donc arrêtez de nous faire chier. Lorsque vous n'avez pas d'argument pour dire la vieille est morte de chagrin. Chagrin n'a pas pris un mois. C'est dès qu'on enterre. C'est dès que tu sais que ta fille est morte. Tu sais qu'on va l'enterrer. On l'enterre et puis tu meurs. Suspect numéro 1. C'est-à-dire une personne qui est déjà partie. Tranquillement, tranquille.
De deux, on est assis là le 6 janvier. Le 6 janvier. On est assis là, on voit un oncle encore sortir, vous voulez mourir. Maman, vous allez mourir. Les lolos. Tous les suspects vont se dévoiler puis mourront. C'est de ça qu'il s'agit. On ne sent pas vos commentaires. Je ne vois pas les partages. Les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, j'ai envoyé ça sur mon lolo. Attends, c'est pas à lui que j'ai envoyé. Les commentaires. Le 6 janvier, juste après la fête, on voit quelqu'un sort de nulle part. De nulle part. C'est-à-dire le chef de famille. Je m'appelle docteur. Voilà. Écoutez, montrez son visage. Et écrivain, j'ai à l'école normale supérieure d'Abidjan. Et voilà le chargé de communication. Je suis le de la famille concernée. Écoutez la bien. Dogo de Onayo à Abidjan. Écoutez bien. On lui pose des questions. Après l'enterrement de Tatiana Osere Makoso, la famille est complètement déboussolée puisque la jeune fille est morte dans des conditions difficiles. Mais nous avions pris l'engagement de nous taire pour qu'elle soit enterrée. Au moins tourner la page. Mais la mère était inconsolable. C'est ça. Prenez-nous pour des cons. Nous étions malades. Mais nous avions pris sur nous-mêmes de laisser tout à Dieu. Je suis très choqué d'entendre Makoso dire sur les réseaux sociaux que c'est lui qui a payé la tombe. C'est-à-dire, mon frère, rip à ton âme, mais tu es un menteur. Le général Camille Makoso n'a jamais dit avoir payé la tombe de la mère de Kosere, Tatiana. Il a juste dit, donnez-moi les funérailles de ma belle-mère, je vais l'enterrer dignement. Il n'a jamais dit qu'il a payé la tombe de la vieille, donc tu es un menteur. De ma tante. Dogo Bissam Catherine, nous ne faisons pas étalage de nos biens dans la famille Dogo. Cette interview là, c'est le 6 janvier qu'il a fait ça. Tu viens attaquer les Makoso. Ma tante Catherine a deux autres filles, une qui est en France. Il y a beaucoup qui sont en France ici qui viennent me demander crédit. Moi-même qui suis son neveu, je suis père de 5 enfants qui sont des cadres. Il y a deux qui sont ingénieurs, il y a un qui est professeur certifié, il y a une qui est spécialiste des langues chinoises. C'est pas langue anglaise, hein, c'est de la Chine. Nous avons des cousins, les fils de son grand frère. Écoutez très bien. Il y a un qui est aux États-Unis dans la marine. Une fille est au Canada. Vraiment des grâces. Et par ma profession, et par les biens que j'ai pu créer, par moi-même, j'aurais pu, moi-même, tout seul, enterrer ma vieille. Pourquoi tu ne l'as pas enterrée? Donc, nous avons déjà payé le tombeau. Nous avons déjà le cercueil. Nous avons payé la conservation. Malheureusement, nous n'avons pas pu garder notre maman, notre tante. Peut-être qu'il aime garder corps comme cela pour que tout le monde vienne là. Maman a lancé, il t'a dit, paye ton bien, viens enterrer la vieille. Ceux qui sont en Europe, personne n'a pu prendre, a pu payer un billet d'avion pour arriver en Afrique. C'est des pauvres. Les pauvres lots, maman. Mémoire de Dogo Bissam Catherine. Je demande à Makoso. Je demande à Loro Ignace de cesser de nous insulter. C'est vous qui avez commencé, monsieur. On dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers, mais rattrape toujours. Il fera notre combat, c'est pourquoi nous avons... En tout cas, c'est Dieu qui doit faire vos combats et nous, le diable, on va voir. Que reprochez-vous à Camille Makoso? Écoutez très bien. Ce que nous reprochons à Makoso, c'est de mentir. Nous savons avec précision qu'il avait l'habitude de battre sa femme. Et toi, tu n'as pas porté plainte. Vous voyez comment cette famille-là, ils sont maudits. Le téléspectateur a regardé
toutes ces interventions. Seigneur. En supprimant le son, vous allez voir toute sa gestuelle. Ce que les Anglais appellent le body language. Il connaît tout ça, hein, mais il ne connaît pas la route de la police scientifique. Nous lui reprochons d'insulter impunément sa belle-mère. De mettre sur les réseaux ses relations intimes même avec son épouse. Regardez, quelqu'un qui fait voyager sa femme, ils sont jaloux. Nous lui reprochons de mentir. Écoutez très bien. Écoutez. Ce monsieur dit qu'il reproche au général Camille Makosso de mettre sur les réseaux sociaux sa relation intime avec sa femme. Est-ce que quand le général lui montre sa femme sur les réseaux sociaux, il montre compte de sa femme, paix à son âme? Est-ce que vous voyez comment ceux-là sont jaloux? C'est-à-dire, vous montrez que vous avez été jaloux de Tatiana. Parce que vous n'aurez jamais cru que Tatiana allait voyager. Il dit que ce qu'on reproche à Camille Makosso, qu'il reproche à Camille Makosso d'avoir, comment on appelle ça, d'avoir exposé sa femme sur les réseaux sociaux. Mais le général, quand il voyage, il montre sa femme. Il a toujours montré sa femme. Il a toujours montré. Donc, c'est parce qu'il montre sa femme quand il est en train de voyager que ça vous fait mal. Allons-y encore au fin fond de ce qui va se passer. Tranquillement, tranquille. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mentir. Il est certes aujourd'hui blanchi par le rapport d'autopsie, mais le rapport d'autopsie ne le dédouane pas lui-même. Et ses enfants. Tranquille. On en vient. Donc, ce qui veut dire... Maman, viens m'aider, s'il te plaît. On va aller doucement. On va aller tout doucement. Voilà. Ce qui veut dire... Regarde un peu ton interview, là. Voilà, tu vas me regarder depuis la morgue. Depuis je te parle. Voilà. Depuis de l'eau de là. Parce que dès qu'il a fini son interview, là... Il a douf. Il a douf. Il est mort. On peut mourir comme ça. Il est mort. Après interview, ça là, après avoir enterré, comment on appelle ça, Tatiana Kosseré, l'oncle sort et puis il dit que ce que l'autopsie a démontré là, que c'est faux. Là où je vous parle là, il est mort. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, hein, il est mort. Il a douf. Ceux qui font communiquer là, pourquoi vous venez pas faire communiquer pour dire qu'il y a deux personnes qui sont mortes? Ça fait deux, hein. Il reste encore trois. Toi de Londres, là, prépare-toi. La prochaine victime arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur, il est mort aussi. Il a accompagné sa tante. Et sa nièce. Et sa nièce. Ça fait déjà deux suspects. Juste après l'enterrement de Tatiana Kosseré. Makosso. Deux personnes de la famille maternelle. Douf. On peut mourir comme cela. On peut mourir comme cela. Ah, Tatiana. Tu finis de faire une interview où tu accuses le mari de, comment on appelle ça, Tatiana. De Tatiana Kosseré Makosso. Et puis on peut mourir à quelques jours de l'interview. Après. Et ça, vous dites que Dieu est en train de faire parler adamant. C'est-à-dire quand on regarde dans les deux camps là, c'est où on meurt beaucoup. C'est Kosseré. Parce que quand on regarde, quand il y a affaire, on regarde où le malheur va frapper. En tout cas. Ouais, vous allez venir aussi nous dire que l'oncle aussi il est mort de chagrin. En tout cas, paix à son âme. Il avait beaucoup aimé Tatiana. Tellement qu'il avait aimé Tatiana. Il est mort. Il n'est pas allé à la police scientifique pour dire, avec tout son grade, que lui, ses enfants sont diplômés, que lui-même, il est diplômé, que ceci, il est ceci. On peut mourir comme cela, adamant. Donc, vous allez venir nous dire aussi que le vieux là, il est mort de chagrin. Ah ouais, nous qui avons chagrin, on va beaucoup mourir. Et on mourra. Si j'ai bien conjugué, vous connaissez mes vocabulaires. On va beaucoup mourir. Et on mourra. Parce que moi-même, le chagrin que j'ai actuellement là, aïe aïe aïe,
C'est lourd. Pour moi, là, mais c'était le jour de funérailles, là, que je devais tout fausser. Tellement que le chagrin était fort. Ils allaient mettre en même temps rip sur pour l'eau potée. Mais depuis là, je ne suis pas encore morte. Hein. Depuis là, le Makoso n'est pas encore mort. Hein. Depuis là, nos parents sont encore en vie. Hein. On peut avoir chagrin comme cela. C'est-à-dire, toi de Londres aussi, tu as chagrin, tu vas mourir. C'est-à-dire, tous ceux qui ont chagrin là, mourrez. En tout cas, mourrez bien. Mourrez. J'ai dit, les avocats de Facebook, venez nous dire. Les animaux. Si ce vieux là. Il est aussi mort de chagrin. Parce que quand ça a été pour la vieille là, on dit Lolo Beauté, tu es venu te réjouir. Tu es venu danser. Tu es venu faire ceci. Que la vieille, elle est morte de chagrin. Elle a tellement aimé sa fille. Elle a tellement eu mal. Parce que c'est sa fille qui faisait tout. Parce que c'est sa fille qui fait Bodakuru, la vieille est partie. Après, encore comme la vieille ne peut plus parler, on délègue encore un responsable, ce vieux là. Ce vieux là aussi vient avec une tête, je ne sais de quoi. Ah, que l'on avait mal. Tant que tu dis que tu as mal, tu partiras. Il partira de... Donc le vieux a tellement aimé Tatiana qu'il est aussi mort. Il a douf. On attend le suivant. J'ai dit, hein, on attend le suivant. Dites que Lolo Beauté est sans cœur. Parce que vous qui êtes sur Internet, là, vous n'avez pas eu de pitié pour quelqu'un qui a perdu sa femme. Donc moi, Lolo Beauté, sur Facebook, je vous dis en même temps que ceux qui sont sur Facebook, je suis sans sentiment, mon corps. C'est de ça qu'il s'agit. Tatiana viendra prendre toutes les personnes qui ont accusé son mari de près ou de loin. Donc tous ceux qui ont mis leur bouche dans l'affaire de Tatiana, la préparez-vous. Préparez-vous, parce que votre mort arrivera. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils étaient beaucoup comme cela, général, le Seigneur va faire le palabre. Justice pour Tatiana, justice pour Tatiana. J'ai dit, hein. Elle est en train de faire justice. Voilà justice qu'il est en train de faire. Là, vous êtes où? Vous êtes où? J'ai dit, hein. Voilà justice de Tatiana qui est en train d'être faite là. Vous êtes où? Le 6 janvier, il fait une interview. Mais on est encore en janvier. Le vieux, tu meurs. Réveille-toi, viens parler encore. J'ai dit, hein, venez parler. Continue. Nous, la famille Makoso, on vous a prévenu. Et c'est ainsi, donc, Dieu est en train de démontrer que le général Camille Makoso, il a son écart de langage. Il a sa manière de parler. Mais c'est un homme de Dieu. Qui s'attaque à un oint de Dieu, s'attaque à Dieu lui-même. Cas, et Dieu va vous frapper comme cela. Maman a lancé le réunion de Londres. J'espère que tu as une assurance en vie. Ah oui. Est-ce que tu as une assurance en vie? Tatiana, arrive. Parce que pardonnez, ne venez pas nous dire d'aller cotiser pour des moudias. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne donne pas l'argent dans le funérailles des maudits. Quand le diable, quand Dieu est en train de frapper tes ennemis, n'aie pas peur de dire que les voilà. Papa Nyon, Papa Nyon, Papa Nyon, Papa Nyon. Vous qui venez me demander pardon, vos mères cons. Lolo Beauté dit, vos mères cons. Parce que quand tu t'attaques à une famille de gueulards, comme les Makoso, attends-toi à ce que, quand il y a problème de votre camp, on ne va pas vous louper. À la guerre comme à la guerre. Vous avez déclaré la guerre. Si le général, lui, il a pitié de vous, là, moi, je suis sans sentiment, mon corps. Eh oui, je tords même ma bouche. Je suis sans sentiment, mon corps. Et ainsi donc, pourquoi côté paternel là, il n'y a personne qui est mort là-bas? Personne, ils sont Dieu comme ça. J'ai dit, côté paternel là, pourquoi personne ne meurt? Et que ce côté maternel, il y a toujours un mort. Qui sera le suivant? Question. Tu vas voir qu'ils vont commencer à se pousser. C'est toi qui as accusé les Makoso là. C'est toi. C'est pas le moment de faire les paroles. Allez-y, nous là-bas. J'ai dit, hein. Choco à c'est pas le moment. L'animal là. Choco à Tamira, lui, il va venir à la fin. C'est-à-dire, lui pour lui là. C'est pas maintenant. Laissez celui-là. C'est moi-même, je vais confectionner le t-shirt du funérail de ce choco maudit. C'est moi qui vais confectionner. Pousse-moi un peu, il y a le soleil. Qui va confectionner le funérail. C'est-à-dire, moi-même, je vais prendre tes funérailles en charge. C'est de ça qu'il s'agit.
On peut gueuler comme cela et puis mourir vite comme ça. On peut parler à boyer comme cela et puis mourir comme ça. Bam jaune. Toi, bam jaune. Je t'ai dit que depuis que j'ai donné ta femme au chien pour la mougou en Suisse, tu étais de plus en plus bête. Tu veux fuir le combat? Non, mais tu es là. Tu as fui le combat, mais tu as mis ta bouche, pape jaune. Toi, ça vient. Ça vient. J'ai dit, ça vient. Tatiana arrive. Tatiana. Arrive. Tatiana. Arrive. Tatiana. Arrive. Tatiana. Arrive. Justice pour Tatiana. Justice. Justice pour Tatiana. Justice. Justice pour Tatiana. Justice pour Tatiana. La justice est en train de faire. En train d'être bien fait. Et puis vous dites pourquoi nous on parle. Vous dites pourquoi Lolo Beauté tu te réjouis. Tu te réjouis de mort. Il a dit si c'est mon frère Camille Makoso qui était mort là. Il a dit tous ceux qui sont sur Facebook allaient venir se réjouir. Il t'a dit. J'ai dit ils allaient danser sur Facebook. Donc quand le Seigneur te donne la victoire, réjouis-toi parmi les vivants. Amen. Et laissez les morts enterrer les morts. Donc Choco Altamira, lui, l'ex-garde corps du général Camille Makoso, tu as intérêt à faire sortir aussi un t-shirt pour ce vieux-là. Laisse lèche-cul. Fais sortir, t'as vu son visage, non? Son front est un peu froissé. Fais sortir aussi un t-shirt pour ce vieux-là. Je t'achète 10 t-shirts pour ce vieux-là et 50 t-shirts pour la vieille. J'attends le jour du funérail. J'y serai pour payer en cash ces gens de t-shirts. Maintenant, vous, mes amis qui me suivez sur Facebook, je vais vous dire quelque chose sur Facebook que vous ne devez jamais oublier. L'ova, la j'ai dit, elle aussi, elle est dedans aussi. Maintenant, j'ai pitié d'elle, elle a une vie médiocre, on dirait une servante. C'est une servante. Mais quelqu'un qui c'est une servante, celle-là, tu sais là, sa présence égale à son absence. Ouais, c'est vrai laissez-la, moi, il y a des gens quand ils les voient sur les Facebook là. Vraiment, quand ton volume n'est pas fort, il faut laisser. Faut laisser. Tiens, ouais, celle-là, si elle meurt là. Même moi-même, là, je ne vais même pas me rappeler de son. Même Rick, je ne pourrais pas mettre. Laissez-la. Il y a des gens qui sont sur Facebook, ils sont là pour amuser la galerie, comme dents pourries, comme on appelle ça. Tu dis comment elle s'appelle là? Éléphant de mer. Éléphant de mer. Voilà. La boniche de Belgique. Ceux-là, maman. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce pour qu'on peut faire pour on ne peut pas souhaiter c'est du mal à un pauvre lot. Voilà, c'est notre dossier. Mais notre fil d'eau. Je vais vous dire sur Facebook. Je vais vous dire. Il y a longtemps, nous, la famille Makoso, on a attaqué. On a attaqué. Mais je vais vous dire encore, écrivez quelque part. Écrivez. Écrivez très bien. Et là, bon nous, la famille Makoso, là, ce que vous ne savez pas, il y a Dieu dans notre affaire. Je répète. Il y a Dieu dans notre affaire. Voilà pourquoi vous allez vous lever en quantité, maman, les animaux. Vous allez aboyer, renifler, appiailler. Ça ne va pas aller quelque part. Dieu fera toujours notre palabre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que dans la famille Makoso, là, il y a Dieu dans notre affaire. Il y a Dieu dedans. Il y a le Seigneur dans notre affaire. Il y a la prospérité dans notre affaire. Amen. Il y a l'élévation dans notre affaire. Amen. Il y a la bénédiction dans notre affaire. Alléluia. Il y a tout ce qui est bon dans notre affaire. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les gens cherchent à nous faire tomber, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Aussi. J'ai dit, quand la mort de ma belle-sœur est venue là, on dit que les Makoso là, c'est fini pour eux. Dit, hein? C'est tous les rats de l'Europe. Les rats. Remarquez bien, les personnes qui n'aiment pas les Makoso là, c'est mes boniches, mes animaux de l'Europe. Les ici. Animaux, les je rats. Je suis venu vous trouver en Europe et puis vous dépasse. On peut dépasser quelqu'un comme cela. Ce qui vous fait mal là. C'est-à-dire même le général hein, qui ne vit pas tout le temps en Europe ici, il a payé maison en Europe ici. Alléluia. Mais vous, vous êtes en Europe ici là. Vous ne voulez jamais. Posez-vous la question. C'est parce que vous êtes maudit. Vous vivez sur la terre des Français, vous vivez sur la terre de l'Europe, même du Canada, mais vous êtes maudits. Vous ne voluerez jamais parce que votre vie est limitée car les Makoso. C'est-à-dire, quand vous regardez notre vie, vous regardez votre vie, vous avez peur. On peut avoir peur des bénédictions de quelqu'un comme cela. On peut avoir mal. Je vous dis sur la toile là. Soyez comme les Lolo Boss. Soyez comme moi, Lolo Beauté. Moi, Lolo Beauté, là, je suis une combattante, mais endurante. Eh, mais qui est dans son gros. Aïe. Ouh, Seigneur, tremblement de terre. Tremblement de terre. J'ai dit, notre affaire est trop lourde pour vous. Enlevez
votre gueule là-dedans. Non, mettez vos gueules. Parce que là où on est actuellement, là, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Les dés sont déjà jetés. Donc, la liste des morts est déjà tracée. La liste des morts. Liste des morts. Vous allez comprendre que sur Facebook, c'est pas d'affaire de tout le monde. On met ça. C'est un gourouin dedans. Mais si là-bas. Vous allez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Les Lolo Boss, restez serrés et imperturbables. Tous ceux qui ont soutenu la famille Makoso, restez serrés et imperturbables. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous avez une fois vu les Makoso taper poteau? Jamais. Vous avez une fois vu les Makoso en position de faiblesse? Jamais. Vous avez une fois vu les Makoso arrêter d'avoir la grosse tête? Jamais. Rentrez dans la Makoso mania. En tout cas. Rentrez dans la Makoso mania. En tout cas. C'est un réseau qui ne tape jamais poteau. Amen. C'est un réseau qui ne tape jamais poteau. Amina. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans les affaires. Voilà. Les gens avaient voulu que lui, on soit faible, on soit acculé, on tombe sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Parce que les gens, quand ils s'élèvent, regardez la parole des gens, vous pensez que les réseaux sociaux, c'est pour vous, et les réseaux sociaux, c'est pour les Makoso. Bien. Réseaux sociaux, là, si les Makoso quittent là, c'est fini, c'est mort. Parce que c'est nous. On fait chauffer Facebook. En tout cas, c'est nous qu'on dit Facebook va se casser. On donne au moins sujet de conversation aux rats, aux animaux. Je vous ai toujours dit, au début, je ne connaissais pas les rats. En tout cas, tu ne les je ne connaissais pas les animaux qui m'attaquaient. En tout cas. Je ne connaissais pas. Parce que quand l'ennemi t'attaque, tu ne connais pas d'où vient l'ennemi. Tu es un peu tourmenté. Tu dis, mais attendez, l'ennemi vient d'où? L'ennemi est quitté où? L'ennemi est ceci. Il est quitté dans quel trou? Mais une fois que Dieu te dit et te montre le vrai visage de tes ennemis, le trou. J'ai dit, si j'avais su que mes ennemis étaient des animaux, mais il y a longtemps, ils allaient les traiter des animaux. Et ils allaient toujours parler de moi. Ouais. Ils allaient toujours m'attaquer. Ouais. On peut être animal comme ça. Aïe. J'ai dit, on peut être animal comme cela. On peut être chouette si j'ai dit, comme ça. Nous les Makoso, on tape jamais pour toi. Jamais. Je vous l'ai dit et puis écrivez ça quelque part. Vous qui souhaitez qu'on soit à genoux, jamais on sera en genoux. On sera toujours parce qu'on est du régime fort. En tout cas. Et vous du régime faible. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit ce qu'on appelle soyez divinement bénis. Amen. Amen. Dis son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Mm-hmm. Côté du lac, sois aussi béni. Sois aussi béni. La vie là ne se résume pas à Facebook. Il y a ta fille Yasmine qui est dans la place. Yasmine, bisous à toi. Mm-hmm. La vie ne se résume pas à Facebook. Mm-hmm. Quand quelqu'un veut te voir à genoux, démontre-le que tu n'es pas un faiblard. En tout cas. Parce que remarquez bien, sur les réseaux sociaux, on essaye toujours de faire tomber les grosses têtes. On essaie toujours d'accuser des gens pour essayer de les éliminer sur Facebook. Mais je vous dis une parole. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde peut se lever pour faire des blogs. Mm-hmm. Tout le monde peut venir parler sur Facebook. Ça, mais je vous le dis, lorsque vous venez sur Facebook, attendez-vous à vous attaquer à des requins, à des animaux. Parce que sur Facebook, c'est une jungle. En tout cas, c'est une jungle. Et la famille Makoso a su dompter cette animaux. Forêt-là. Oh, 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 oh. Et aujourd'hui, on est là où on est. On est caca. Oui, Afta a dit le karma. En tout cas, c'est le karma, karma réel. Merci, et Afta. Dieu a démontré par A plus B qu'il y a Dieu dans l'affaire des Makoso. Amen. On est ce qu'on est. Mm-hmm. Vous savez, moi, j'aime parler beaucoup de ma vie sur les réseaux en tout cas, sociaux. Faut parler des... Parce que moi, Lolo Beauté, je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Vraiment. Mais je sais te dire la vérité. C'est voilà pourquoi il y a des personnes qui me suivent et puis qui m'aiment. Il y a des personnes qui savent que on suit cette famille-là, mais on n'est pas bête. Il y a des personnes qui se sont levées. Vous là, quand les Makoso sont en direct là, vous partez là-bas. Vous revenez. Mais ils savent qu'il y a une bénédiction avec la famille Makoso. Parce que cette famille est partie de rien. Aujourd'hui, quand tu es pauvre, personne ne parle de toi. Personne ne dit ton nom. Personne ne t'accuse. Personne ne te blâme. Personne ne te jette la première pierre. Mais une fois que tu commences à prospérer, une fois que Dieu commence à te bénir, une fois que Dieu commence à avoir pitié de vous, et dit des années, on vous a traité de pauvres, on vous a traité de mendiants, on vous a traité de voleurs. Il y a dit sur Facebook là, depuis on dit la famille Makoso vole là. On n'a jamais vu quelqu'un venir dire
que voilà les preuves du vol. Les preuves. Hey, Makoso, jamais. Ils ont dit, oh, on peut être bête comme ça sur les réseaux on sociaux. On peut être taré comme ça. Mais je vous dis, les moutons, on restera toujours fort. On est à deux. Il reste trois. On est à deux. Il reste trois. Ce matin, c'était le petit direct de Lolo Beauté. Conseil aussi. Et puis aussi, vous donner aussi des conseils. Mm-hmm. Quand tu vois une affaire mm-hmm. et que tu sais que cette affaire est trop lourde pour faut toi, fermer ta faut gueule. Fermer ta boîte de sardines. Et puis, il faut passer à côté. Le karma parce que ce que vous ne savez pas, mm-hmm. la famille Makoso restera. Bon, ça, c'est mon français. Restera. Pour faire mal encore à mes ennemis. Parce que mm-hmm. le français, il est bien lourd. Mm-hmm. Quand tu dis restera, mm-hmm. c'est un bon français, mais c'est trop classe. Restera. Encore. C'est bien lourd. Encore. Restera. Yeah. La famille la plus forte des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous expliquer comment se fait-il qu'après un funérail, il y ait deux morts dans le camp adverse. Question. Shalom.